Oui, on est de retour. On est de retour. Donc, on avait plusieurs choses à faire ici. On voudrait améliorer la base. Ah, oh, tiens, il y a ça là-bas, des trucs. On voudrait améliorer la base. Enfin. Non, c'est faux de dire ça. On voudrait changer la map et en faire une base géante. Voilà, c'est plutôt ça en fait ce qu'on voudrait faire. Donc dans cet épisode on va un peu s'étendre. On va s'étendre aux bons endroits aussi. Mais il nous faut plus de place. Ouais. Ça va nous aider plus tard. Pistolet foudroyant, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une arme. Ça aussi, je crois qu'on pouvait pas avoir des armes avant comme ça. Genre c'est quoi? Mais c'est dans les recherches le pistolet foudroyant ou c'est un truc qu'il faut vraiment trouver? Pistolet, est-ce que je vois... non. Je vois pas pistolet foudroyant. Ok. Bah on va en crafter, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y a une description? Oh, attendez. Alors, cible paire c'est une. Projet qui partir 3. Donc c'est du plasma aussi. Donc on pourrait changer, mettre ça à la place. Alors, est-ce que ça va être du chargé ou pas le tir? Ouais. Oh, attends! Ça fait que baisser en fait. Ah! Ça doit créer un arc électrique, un truc comme ça, je pense. J'imagine que ça doit créer un arc électrique. Ouais, ok, ça marche. Intéressant. Voir un peu ce que ça donne. Ah ouais! Bah, dans un sens, c'est pas mal parce que ça permet de voir s'il y a encore des ennemis vivants en fait. Non? Pas mal. Là. Faut que je pense à faire ça aussi. Faut que je pense à mettre cette tourelle souvent. Ah, mais c'est vachement bien ce machin! On a eu sprint acide. Ça a une bonne portée, hein. Puis les dégâts sont très potables. Ça peut être vachement bien quand on aura des mods dessus. Genre le fait de toucher énormément de cibles comme ça. Ouh, ça peut être vraiment, vraiment cool. Bon, il nous faut du paraladium, palladium, on n'en a pas. Ouais, vachement bien ce truc. Vachement bien. Bon, bref. Donc, comme j'ai dit, on regarde un peu plus la map. Ok, des bestioles ici. Oh la vache, bordel. Ouais, on va peut-être pas balancer les deux attaques orbitales de comme ça, quoi. Genre en même temps. Oh oh oh, toi, tu peux crever. Voilà, très bien.
quelqu'un. Ok. Là, on va aller voir là. Ce qui est embêtant, c'est que ça met un peu de temps à recharger la tourelle de scan. Par contre, le laser, ça descend méga vite. Merde, c'est des gentils. C'est bien d'avoir une tourelle comme ça là qui fait tout automatiquement. Ok. On va. Ok, ça c'est bien là ce qu'on a. On explore un peu pour voir où on va placer les. Enfin, on va délimiter la zone parce que ça sert à rien de faire des grandes zones si. Ça sert à rien du tout de. Bon, par contre, ça touche tout le monde, hein, le laser. Donc, même si c'est des trucs qui attaquent pas, ça va quand même les toucher. Mais c'est vraiment cool. Ouais, par contre, on a vraiment un problème pour les munitions. Ça part vraiment, vraiment trop vite. On risque d'avoir des problèmes par rapport à ça. Hop. Alors, on se balade encore un peu. Ok. Ah oui, il y a là aussi. Ok, on va aller faire ça. Oh, je détecte des trucs. Ouais. Très bien. On a un bon endroit ici, pas mal de bleu là. Abusé, n'importe quoi, je. Oui. J'ai remarqué que les boules, j'avais parlé du fait que j'en avais une qui était allée dans une crevasse et tout ça. J'ai l'impression qu'elles rebondissent beaucoup moins. Elles vont beaucoup moins loin en fait. Ah, tronçonneuse bleue. Donc je pense qu'ils ont modifié ça aussi. Parce qu'il y a eu sûrement des gens qui ont eu des problèmes comme moi. Ok, c'est bien. Alors, pour l'instant on est plein de partout, hein, donc on produit que dalle.
Faire attention à ça, ça explose. Les plantes là, elles sont méga traîtres. Genre si vous dashez dedans et tout ça, c'est la mort. Même les petites. Donc méga dangereux. Ok. Après on peut faire ça aussi, hein. C'est vrai que... Merde. C'est vrai que le détecteur... Parce que c'est, ça peut être un gisement de cobalt, ça peut être des trucs intéressants. Cheminée géothermique, voilà, par exemple, ça c'est bien. Ouais, pour l'instant de cet épisode, comme j'ai dit, ça va être exploration de toute la carte. Et après, on va améliorer la base. On va faire la base beaucoup plus grande et tout. Ça c'est quoi? Azimuth? Ouais, on s'en fout un peu. Des trucs comme ça, quand c'est des petits gisements... Enfin, c'est pas vraiment des gisements, c'est juste des trucs enterrés. C'est pas vraiment intéressant. Ouais, non, là non plus. On en a plein en plus. On va voir un peu les trucs où ça vient. Donc, de là. Donc là, on a ici, on a là. 1, 2, 3. Ouais, on est bon. On est bon. Là, il faudrait vraiment boucler les zones, en fait. Parce que là, c'est pas mal. Parce que là, on est des rochers, ou alors c'est des crevasses, on s'en fout. Non, je crois que ça, c'est crevasses. Ça, c'est rochers. Des montagnes, quoi. Donc là, on pourrait bloquer genre là, bloquer là, bloquer là. Enfin, faudrait avoir ça. On peut bloquer plein de choses, en fait. Plein d'endroits. Pour avoir de l'aide par rapport à des murs, murs naturels, comme j'ai dit. Donc ça peut être vraiment pas mal. Donc je pense qu'on va commencer à faire ça, on va faire le haut. Après le combat là. Ouais, je pense que ça va être vachement bien. Donc on va faire ça. Comme ça, on aura cette zone qui sera couverte, en fait. On va essayer de couvrir cette zone comme ça. Voilà, là, ce serait pas mal, ça. On aurait de la boue. Je crois que ça, c'est des cheminées. Je sais plus. Là, on a 3, 4, 5. Celui-là, on mettra juste des trucs... des foreuses, en fait. Et puis, bon, si elles sont cassées, c'est pas grave. Mais ouais, là, ça serait pas mal, déjà, de bloquer comme ça. Cette partie-là. Très bien. Ah oui, et avant il fallait les récupérer, je crois, les petits brins d'ADN. Ils tombaient par terre en fait. Maintenant, plus maintenant. Ok, là c'est bien. Ça servait un peu à rien. On va aller voir là-bas. Tiens, laser de Dieu là. C'est bien parce que les grenades, on peut les balancer quand même d'assez loin.
Voilà, nickel. Ben voilà. C'est parti. Alors là, on pourrait déjà bloquer... Genre, je vais voir ce que c'est, ces trucs rouges, là. Bonjour, faut partir, monsieur. C'est... Je vais être honnête, c'est plus vraiment votre planète. C'est plus vraiment votre planète. Toi aussi, c'est plus vraiment ta planète. Alors là, ça pourrait être un bon endroit. Genre là, est-ce qu'on peut passer? Ok, on peut passer. Y'a quoi là? Non, ça y a un truc. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, descend. On bloque comme ça, en ligne droite. Comme ça, on fait un mur entre la crevasse et le mur. Ouais, c'est pas mal comme ça. Allez, vas-y, on va faire ça. Ouais, puis en plus, là, y'a rien pour le moment. Après, y'a peut-être des trucs, hein, mais ça sera pour plus tard, c'est pas grave. Du cobalt. Ok, à chaque fois c'est du cobalt. Là il faut de l'uranium, donc non. Titane, non. Titane. Et là, du cobalt, ça va. Le cobalt, on en a. Et là, c'est de l'uranium, ça marche. Quoi déjà. Ah, on a, oui, on a ça maintenant. Alors je sais pas ce que c'est comme décoration, honnêtement. Bon. Par contre, on commence à avoir moins de courant, j'ai remarqué. Ah, tiens, ça remonte. Dernier. Ah oui, le vent. Okay. Je sais pas d'où ça vient cette décoration, c'est quoi ce logo, je connais pas. Mais bon, ça change un peu. Très bien. Et je suis sûr que ça... Putain, c'est fou ça. Je suis persuadé qu'on pouvait... Je suis sûr qu'on pouvait détruire certains trucs avant. Peut-être plus maintenant, mais... Ok, très bien. Genre cet arbre, je suis sûr qu'on peut... Ah, ça va me rendre fou, quoi. Bon, bref. Et on va faire un mur ici. Alors. Alors, comme ça. Ah oui, tiens, là on peut... Vu qu'on est un peu plus en sécurité déjà, donc on peut faire le système que j'avais fait avec le crafter, là, les atouts. Merde, je peux les appeler là, c'est pas grave. Oui, craft ici. Alors, vitesse de construction, vitesse de déplacement, coût de construction, vitesse de construction. Oui, non, moi je veux des machines de titane, moi je veux ça. Le coût de construction, honnêtement, c'est pas vraiment important. Parce que... On a tellement de ressources. Et c'est des ressources de base pour le moment. Enfin, quoique, maintenant on commence à faire des niveaux 2 et tout ça, mais ça reste quand même des ressources de base. Donc là, par contre, si on combat, on est dans la merde. Ok, on a 200 points de vie, on a 0 de défense.
Mais on est plus rapide. Et ça construit plus vite. Donc ça, ça va être bien pour construire. Très bien. The rain is over. Turns out that some things are not as different as back on Earth. Non, non, c'est juste la couleur qui me semble que ça marche. Alors, on va voir un peu. Ok, là on fait un truc un peu plus... un peu mieux. Là on fait des trucs un peu plus... Ok, hop, et il nous faut ça. Voilà, nickel. C'est juste pour mettre un peu du courant partout. Voilà, comme ça. Ok, nickel. On va remettre des... C'est quoi ça? Ah oui, c'est les niveaux 2. Alors, on peut même mettre de la lumière si on veut. Voilà, là c'est pas mal. Là c'est pas mal et on aura une belle vue. Ok, nickel. Alors là, ce qu'on voudrait... Pourquoi pas faire des réserves. Ok, nickel. Faire. Je veux que ça va faire disparaître l'arbre, non? Okay. Donc là, ça serait une bonne réserve de trucs, de ressources. Après, là, ça va où? Genre là, en fait, c'est tout protégé, on est d'accord. Genre là, c'est tout protégé, du coup. Genre, ils peuvent pas venir sur ce côté. Le côté droit. Donc là, on est tout nickel. Et c'est vraiment cool. Vraiment sympa. Il faut un téléporteur aussi, évidemment. Très bien. Et on va mettre aussi des... ouais, du coup, vu que là c'est tout protégé, on pourrait mettre bah, des éoliennes en fait. I'm detecting a change in wind power. This may affect our wind turbines. Ça marche. Ça aussi, on pourrait le détruire du coup. All wind has stopped. Our wind turbines are down. C'est bien.
Ah. Maintenant, on essaye de faire des des trucs un peu plus jolis. Ok, donc par exemple ça, ça sert plus à rien. Donc ce qu'on peut faire, c'est vendre en masse. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que c'est bien. Et hop, c'est en ligne. Nickel, nickel, nickel. Je sais pas si on a assez de missiles et tout ça. Ouais, pour l'instant ça ira. De toute façon après on aura des trucs encore mieux. Après ce qu'on peut même faire c'est rajouter encore une ligne et la faire arrêter devant la porte. Vous voyez? On peut faire ça. Hein. Ou alors on peut même séparer les portes. Genre on pourrait faire un truc... Ouais non peut-être pas quand même. Mais genre on pourrait faire un truc... Parce que moi je dis 4. 4 c'est bien. Mais en fait on peut faire plus gros, hein. On a qu'à juste faire ça en fait. Hein. Voilà. Hop là. On peut faire 5. Hein. Voilà, ça c'est nickel. Donc ouais, il nous faudrait plus de puissance. Ouais, ça c'est ce qu'il y a plus, quasiment plus de vent en fait. Ça marche. Donc c'est pas très grave. The wind is coming back. Wind power is returning to normal. Ok. Ouais, il nous faudrait plus de courant. Ça c'est pas grave. On va gérer. C'est quoi les jaunes, les points jaunes? Ah, les points jaunes, c'est les mines qu'on a placées, ça marche. De pouvoir se déplacer plus vite quand même, c'est vachement bien quand on crée une base. Alors, on va avoir un problème avec le courant parce que il faut plus de courant quand même. Ah tiens, ça, on peut changer ce qu'on a placé déjà. Ah c'est bien ça. On n'a pas besoin de le détruire en fait. Cool. C'est bien, donc on pourrait faire genre différentes couleurs et tout. C'est vraiment classe. Okay. Ah. Attends, vas-y. Voilà, parfait. Alors maintenant, donc on a bloqué ce coin qui est très bien. Maintenant, putain, est-ce qu'on peut pas zoomer? Donc là, on aurait... Donc là, ce serait pas mal. Voilà, hop, petit coup de... Donc là, il y a les tourelles. Donc là, moi, je voudrais ça. Donc ce qu'on peut faire... qu'est-ce qu'on a là? Là, on a un gros rocher. Ok,
donc on peut faire un grand mur. On peut... Non, deux murs. C'est nickel. On va faire deux murs. On va faire deux murs. Un à droite, un à gauche. Et au milieu, il y aura la boue. Et comme j'ai dit, les monstres peuvent pas passer par quoi que ce soit. La boue, le... l'acide verte là, tout ça. Donc on est nickel. Donc on est nickel. Voilà, très bien. Et en plus on a ça qui est juste là. Ah, du coup on devrait prendre la géotherme thermique là. On fera du courant aussi. Est-ce qu'on peut... Parce que je voudrais pas trop avancer. Ouais non, là c'est carrément... Ouais non, là c'est carrément tout exposé en fait. Donc ça c'est pas bien. Non, moi je voudrais faire des limites là. Où ça? Derrière, ça marche. Il n'y a pas de problème. Donc, une de filtration d'eau, non. C'est électrique. Donc on veut... ça. Centrale géothermique. Ok, on a une attaque. On va directement changer ça, parce que sinon, ça, je vais oublier et on va être dans la merde. Donc nous, on veut ça. Lequel est le mieux? C'est les deux, c'est les mêmes. On va en désassembler un comme ça. Hop. Et après. Ah, c'est comme ça qu'on combattait. Hein. Ouais, ouais, c'est comme ça qu'on combattait, ça marche. J'ai envie de voir si ça, ça fait quelque chose de spécial. Dégâts renvoyés. Non, pas vraiment. Je préfère, comme j'ai dit, je préfère avoir de la défense. Donc, pour le moment, on s'en fout. Ok, donc ça, il va falloir le défendre. Mais sinon, les murs, nous, ça sera entre... genre, ce rocher-là. Et après, à droite. Ah, maintenant on a les trucs foudroyantes. Oh, on a ça, c'est des trucs à plasma là, je trouve que ça tire loin. Là on a quoi? Ça c'est quoi ça? Ah oui, compresseur de liquide, ouais ça il faudra tester. Ça je connais pas. Là on a les niveaux 2, ça aussi on a les niveaux 2, ça aussi... Mais ça on peut pas le faire pour le moment. Désolé si vous entendez un chien, c'est pas le mien, c'est les gens qui s'occupent pas de leurs animaux. Donc on a deux emplacements, donc on va défendre ici. D'abord. Je crois que le cobalt... Ah mais c'est en local ici. Huh. C'est embêtant ça. On a combien de le cobalt? 4007, c'est toujours en local. Bon, c'est pas grave, on n'a pas assez le temps. On n'a pas le temps. On va devoir défendre d'abord. Ça marche. De toute façon, tout est opérationnel, donc ça va. Alors, on a assez de courant et tout pour couvrir les... les tourelles et tout, elles marchent. Ah,
Là, à droite, ça attaque. Là c'est mal placé, hein, des trucs. C'est pas défendu de toute façon. Donc. Oh là. Ouais, le laser est vachement bien, mais ça part extrêmement vite. Ça part extrêmement vite. Qu'est-ce que j'ai chaud? Alors, maintenant. Donc on revient à ça. Oh, le bruit qui... Le son là qui augmente. Donc ça, on est bon. Ça c'est bien, donc nous on était en train de faire ça. Donc, très bien, donc on voudrait... Encore une fois, on peut faire un cinquième mur. Ah oui, c'est vrai que ça n'a pas détruit le mur au milieu. Voilà. Les trucs de soin. Ouais, il faudrait, à la limite, si on veut encore optimiser ça au maximum, ce qu'il faudrait, c'est des presets. C'est des presets en fait de murs avec différents types de tourelles et tout ça. Ce serait vraiment cool. Je devrais tous les mettre derrière, je sais, mais bon. Ah, la tanière. Ah là là. Juste où on est, quoi. On va attendre que ça s'arrête. Oh, magnifique. Magnifique. C'est bon, ça s'est arrêté là. Bordel. I'm not tracking any more meteors. The danger is over. It looks like some of these creatures' attacks are originating from a common point near our base. Okay. Interesting. We should go and investigate that area. On va y aller. Ah, attendez. Non, pas ça.
Non, pas ça. Ok, let's go. Pardon. Pardon, pardon. Je vais pas vraiment foutre le feu, mais... Hein. Oh, le truc dégueulasse. Non bah c'est bon. On aurait dû peut-être d'abord le checker en fait. Je crois. Oh, ce rayon quoi, rayon de la mort. Après je vais être honnête, j'ai jamais laissé les monstres se réunir comme ça, donc je sais pas ce que ça peut donner. Je sais pas du tout ce que ça peut donner. S'il faut, ça peut donner un truc super violent. Voilà. Donc on revient ici. Très bien. Faut qu'on replace ça. Ouais, comme j'ai dit, hein, c'est un peu le truc relou hein, quand même. Mais c'est vachement utile. C'est vachement utile de le faire. Ok, très bien. Donc, je vais voir un peu la zone. Donc, après, on veut bloquer ici aussi. Donc, là, là c'est un petit mur. Alors, on va le faire en deux fois. On va le faire passer derrière le rocher en fait. C'est pas le top mais... comme ça. Comme ça. Nickel. Nickelo, nickelo. Très bien. Et après, là, on a ça. Ah, très bien. J'ai mis un détecteur. Ouais, on a un détecteur, c'est très bien. Donc là, ça fait deux gros murs. Là, il faudrait refaire aussi. Après, est-ce qu'on peut faire un truc avec la boue? Ah, j'ai oublié de mettre de la défense. Je vais mettre ça. Pour réparer. Est-ce que on peut... Genre, centrale de jeu... Thermique. Centrale à gaz, il faut quoi? Ah oui, il faut du gaz inflammable. Je sais plus comment on fait le gaz inflammable. Je crois qu'il faut de l'acide. Je crois.
Attendez un peu, faire regarder mon chat. Je crois qu'on l'a. Centrale à gaz, donc ça c'est... Ouais non c'est ça, c'est... 50 de gaz, non, c'est ça. Gaz infernal plus 50. Voilà, donc ça, il faut de la vase. Et de la vase, je crois qu'on en a. On en a, je crois, dans le sud. Tour à minigun, petit calibre, tour. De toute façon, pour l'instant, c'est juste parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Donc autant tout faire. Donc ouais, par contre, la boue, on peut seulement la, bah, la changer en... En boue. Enfin non, pour l'instant, c'est pas vraiment utile, la boue. Une filtration d'eau. Ouais, non, ça fait juste de l'eau, en fait. Et l'eau, ça sera pour autre chose plus tard. Tout simplement. On a encore du courant, ça va. Et après, en fait, on peut le faire un peu. Genre. Filtration pompe. Donc on peut mettre. Ici. Combien on pourra en mettre là? 3 peut-être. Ouais. Après on peut les relier. Comment comme ça. Voilà. Je sais pas si on devrait pas les. Je crois qu'il n'y a pas de limite par contre dans les tuyaux, hein, si je me rappelle bien. Bou, 1800. Ouais, je crois qu'il y a zéro limite. Tant qu'il y a des pompes en fait qui alimentent, ça marche. Je crois bien. Alors, si on fait ça. Ouais, je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc du coup là on a une arrivée de boue. Donc ça c'est bien. Après est-ce que ça va être détruit par les monstres et tout ça? Je sais pas. Je sais honnêtement pas. Ça il faudrait le défendre mais pour l'instant j'ai pas envie. Donc là ça c'est bien. Là encore on a de la boue. Là aussi on a encore un mur. Ok. Donc ça veut dire que la base, il y a ce côté-là qui n'est pas protégé. Mais là, tout le centre, en fait, on est bon, en fait. On est complètement bon. Après, ce qu'il faut faire aussi, c'est mettre des tourelles qui réparent un peu partout. Parce que c'est pas que les murs qui vont prendre cher. Genre comme on a vu, là il y a des météores qui tombent, il y a des tornades, il y a des tremblements de terre. Donc c'est bien d'avoir des tourelles qui réparent un peu partout. Quoi. Parce que sinon vous êtes obligé de tout faire vous-même, c'est relou. Alors toi t'es dans notre base, il va falloir que tu partes en fait. Désolé mais... Mais ça va, on t'a identifié avant.
ça va. Est-ce qu'il faudrait, avant de détruire toute la faune, la flore et tout ça, on va peut-être analyser les choses. Mais bon, après on a d'autres biomes partout. Hein. Donc à la limite, c'est pas grave. Ok, nickel. Donc là, on est vraiment bien placé. On a même un rocher là, putain. Enfin... Ouais, on a vraiment des trucs partout quoi, pour défendre. Donc là, on peut mettre plein de choses, par exemple. Là, on peut remettre, je sais pas, moi, des turbines, des trucs comme ça peut aider. Ça sera jamais... Ça sera jamais un problème. Et après on aura des, bien sûr des choses qui donnent encore plus de puissance, donc on n'aura plus besoin de ça. Mais ça mange rien en fait d'en faire, donc autant en faire, vous voyez ce que je veux dire. C'est comme j'ai dit, la place c'est pas un problème en fait, hein. C'est vraiment pas un problème la place. Donc je voudrais... donc là on a un téléporteur. Donc ça... Ça c'est très mal fait, on va peut-être le refaire. Là on a des trucs... On n'avait même plus besoin du détecteur. Alors... Très bien. Est-ce qu'on a un portail pour passer? Honnêtement, on n'a pas vraiment besoin. Toi, tu peux réparer ça, ok, nickel. C'est un peu mieux. Là, il y a beaucoup de réserves. Donc, faut bien défendre ça. Là, ça, c'est très moche qu'on avait fait. Est-ce qu'on peut mieux faire? Parce que là, on a de la boue. On pourrait faire un carré comme ça, en fait, vers l'extérieur plutôt. Ce serait peut-être un peu plus intelligent. Il faudra quand même de la place. Quand c'est noir avec ce nouveau sol là, ça veut dire que on a... Putain, ils arrivent de ce côté-là, quoi. Tu te fous de ma gueule. Oh, je suis pas prêt. Ça.
Vous vous faites un peu chier là. Donc on a là et là, donc on va pouvoir tester ça. Et ok. Pardon. Ça, on n'en a pas besoin. Ok. Là, c'est bien. Ça marche. Il est où le détecteur ici? Après les détecteurs, faut pas en avoir 3 milliards non plus. Genre ça par exemple, ça sert plus à rien. On va le changer. Tiens, il me manque un pied, un... Ça. Très bien. Je suis pas équipé pour le combat, mais ça devrait aller. On va voir là un peu comment ça se passe. Parce que là, on a deux vagues. Nickel. Ouais, que là il y a quasiment plus rien qui passe. Enfin, il y a plus rien qui passe, on a plus besoin de jouer pour le moment. Ouais. Pour le moment, on n'a plus besoin de faire grand chose. Non, pas mal de monstres encore. Donc ça c'est bien. Par contre là il y a quoi? Ok, très bien. Le truc qu'on peut faire c'est monter de niveau les choses. Il y a des éoliennes juste à côté, mais vu que c'est pas connecté, du coup ça marche pas. Voilà, donc d'accord, ok. On a des... Là, on a une bonne défense au nord, on est bien. Je crois qu'on va devoir s'arrêter dans pas longtemps. Je voudrais juste finir un peu ça, là. Genre, ça, ça sert plus à rien, faudrait le détruire. Là, par contre, ça va être un long mur. Ah, on peut faire mur entre rocher et rocher. Encore. À la limite, on peut faire ça. Ouais. On va devoir détruire des trucs. Merde, j'ai détruit les... Ça va me baisser mon maximum, non? Ouais, je perds des ressources. Si on détruit ça, on perd des ressources. Faut faire très attention à ça. Faut d'abord créer des nouveaux, puis après...
après les enlever. Ok, donc là on a de la boue. Mettre un détecteur en pleine brousse là. Et après on aurait quoi? Genre rocher, rocher. Ouais, on avait dit rocher, rocher, genre comme ça. Voilà. It will decrease the output from solar panels until it stops. Voilà, là c'est pas mal. Si on fait que des grands murs et tout, ça peut être un peu relou. Ça veut pas dire que c'est mauvais, hein, c'est juste que... Bon bah voilà. Autant, comme j'ai dit, comme si on a des défenses naturelles, autant les utiliser. Et ouais, t'es plus chez toi. Alors, on va faire du rocher comme ça jusqu'à... Un peu plus... Ouais. Du rocher au rocher. Ouais, là ils peuvent pas passer. Voilà, du rocher rocher. Je vais voir le courant. Ouais, le courant, ça va. Très bien. Et là, on fait de la boue. On peut faire un petit carré. À la limite. Et après, on va s'arrêter. On peut faire un petit carré. Voilà, là c'est pas mal comme ça. Oh là là, ça en fait des trucs à faire. Vous voyez, maintenant on commence à créer des endroits un peu plus logiques, un peu mieux. Des meilleures défenses. Et vous avez vu que quand on commence à construire des meilleures défenses, genre des... avec différents types de dégâts, des tourelles et tout ça, là vous... Il y a quasiment plus rien qui passe en fait. Il y a quasiment plus rien qui passe. Enfin, il y a plus rien qui passe en fait, tout simplement. C'est pas quasiment, c'est... Il y a plus rien qui passe. Ça c'est bien de voir les cercles comme ça on voit ce qui est pris en compte ou pas. Vraiment, vraiment, vraiment cool. Voilà, très bien. Ah, les trucs qui pompent des mines. Pas mal ça aussi, c'est marrant. Mais faut les avancer en fait. C'est sympathique, honnêtement sympathique. Okay, ça c'est pour la vase. Là on peut prendre du... Ouais,
Voilà, on aura de la boue. Est-ce qu'il faut un détecteur ici? Non, faut pas de détecteur, faut un détecteur plutôt là. Ok, donc maintenant... on a une très très grande partie de la base qui est couverte. Là, on a le côté nord, on a un peu les côtés aussi. Est et ouest, honnêtement, mais grâce au... genre aux défenses naturelles surtout. Ouais, on peut faire des grandes choses ici. Ah, j'ai pas mis de téléporteur. On va arrêter dans pas longtemps par contre. Tiens, il y a un trou là. Il y a un trou parce que on peut pas mettre de trucs. Ou... ouais. Mettre un téléporteur ici. Et la prochaine fois, on va continuer tout ça. Et là, on a de la vase. Faut qu'on utilise la vase. Pour créer du produit inflammable. Et ça va nous permettre... je crois qu'après aussi, pour alimenter les... genre, il y a des gros canons énormes, là, ils sont vraiment bien, qui tirent de très loin. Vous pouvez les mettre au milieu de la base et ça tirera genre presque sur les côtés de la map. Je crois qu'il faut du matériel spécial pour ça. Genre là on peut mettre thermique, hop. Ça on peut complètement tout enlever là. Ça sert à rien. Nickel. Voilà. Et là, comme j'ai dit, on peut... bah, ouf, là, il n'y a pas beaucoup de place. Hein, mais on peut rajouter des petits bâtiments. Un peu de la merde, mais... on peut mettre des trucs. Allez, faut que je m'arrête parce que sinon on s'arrête plus. On va avoir encore plus de ressources. Est-ce que c'est des niveaux 2 ça? Non. Enfin attends, on peut les enlever du coup. Parce que je les aime pas, les trucs un peu paumés là comme ça, j'aime pas trop. Ce sera pour emmagasiner plus de courant. Eh ben. Et il nous faut des IA aussi. Il nous faut plus d'IA. Donc on peut en mettre un peu où on veut aussi des IA. Bon après j'arrête vraiment. Hein. Un truc par exemple avec la turbine qu'il y a là, ce qu'on peut faire pour la protéger. Ça serait de mettre une tourelle qui crée un champ de mine. Même deux en fait. Comme ça. Et après on l'entoure de murs.
Après, il faudra voir ce qu'on fait avec... Je sais pas, je fais un truc un peu à l'arrache, juste pour montrer qu'on peut faire des trucs un peu bizarres des fois. Voilà. Et puis, ouais, ça va créer... ça a créé des mines, voilà, ça pose des mines partout en fait. Donc, c'est marrant. Voilà. C'est assez drôle, c'est assez comique. Ah, et après, plus tard, on pourra récupérer la boue. Mais honnêtement, la boue, elle est pas vraiment intéressante, importante. Parce qu'on en a déjà plein d'endroits avec ça. Mais voilà, là, ça va mettre plein de mines, vous voyez. Donc, ouais, c'est marrant, ces déposeurs de mines, là, comme ça. C'est plutôt drôle. Ok, on va s'arrêter là. On a bien avancé, on a fait des bons murs. La prochaine fois, on va continuer. On va faire encore, je pense, deux gros épisodes. Ouais, je vais peut-être couper là pour pas faire trop grand. Je sais pas, on va voir. Mais ouais, là on est très très bien. Allez, on va sauvegarder. On va regarder si on a fini. On a plein de différents types d'armes. Ça c'est encore en train de se faire. Il faut qu'on augmente le QG en fait. Ah, mais on va faire peut-être la prochaine fois, on fera le QG aussi. Quand j'aurai fait un peu plus de la base, on fera le QG. Voilà, ça sera tout. Portez-vous bien, faites attention à vous et à la prochaine. Ciao, ciao.